Allez hop, on ferme tout ça, on prend le quad et on va à la ferme. C'est vrai que ce quad nous fonctionne bien et vu qu'on n'a pas trop de route à faire, c'est vrai que c'est pas mal. C'est vrai qu'il faudrait que je refasse mon allée là parce que oh, c'est chaotique là, il y a des boss partout. Bon, il n'y a pas trop de monde encore dans ces rues, ça va, mais on va à la ferme même si c'est pas loin au moins. C'est toujours plus rapide en quad. Ah, ici, il faudrait qu'il refasse, hein. C'est vraiment nul. Hein. Aujourd'hui, on va essayer d'aller épandre le fumier. Ah oui, c'est vrai, faut qu'on aille chercher l'autochargeuse de démo au concessionnaire. Il m'a dit qu'il me mettait ça de côté, donc on va aller voir. Je vais aller poser le quad. Je vais aller le poser là devant la faucheuse, ça ira très très bien. Oh, pas trop qu'on le voie parce que j'ai pas envie de me le faire voler non plus. Nickel. Mais la lumière, il fait quand même sombre hein, sous les hangars, c'est fou ça. Donc bah je vais aller chercher l'auto-chargeuse dans ce cas-là. Les vaches qui ne font que gueuler, je leur donne à manger une fois tous les 2 jours. Donc ça va, elles ont assez, hein, elles ont encore. Ah là là, c'est pas possible. Pareil les poules, est-ce qu'elles ont encore à manger? On va aller voir. Allez, on ouvre ça. Allez, on referme ça parce que... Elles vont encore sortir là. Ouais, normalement, je leur avais mis du grain. Hein. Je leur avais mis encore un peu de grain. Bah, il n'y a plus grand chose. Bon, je verrai ça après. Hein. C'est vrai que l'herbe ici, il faudrait que je la coupe. Parce que l'herbe est aussi haute que les poules. D'ailleurs, mon coq est rendu où? Normalement, j'ai un coq. Ah, mon coq est là. Je me demandais où il était. Bon, allez, on y va, nous. On n'a pas que ça à faire. Va falloir qu'on aille au concessio. Après, va falloir qu'on aille épandre du fumier. Donc, pas mal de boulot. Hein. Ah oui, mon épandeur est là. Il y a la benne enlevée devant. Ah, cette benne qui est pas encore pourrie, elle nous sert, mais. Franchement, c'est vrai que la girac, c'est pas mal. Bon, allez, bref, tardons pas. On prend le harion. Allez, on monte dedans. On le démarre. On lève la masse aussi. C'est vrai qu'il y a la masse. Et on va au concessio. On va aller par l'autre côté. Hein, ça sera bien plus simple. Ouf, c'est vrai qu'il y a des trous ici. Hein. Ah ouais, faudrait que je refasse cette allée. Parce qu'il faudrait que je comble avec des gravats ou je ne sais pas. Parce que... Oh, ça devient de pire en pire. On va aller doucement parce que on va pas casser le nouveau tracteur. C'est vrai que tracteur qui date de 6 mois, donc on va éviter de le casser. Enfin, le plateau aussi qui est là, il nous dérange un peu des fois, mais bon, on fait avec ce qu'on peut. Bon, il n'y a personne trop normalement ici. Allez hop, on y va. Bon, le concession n'est pas super loin de chez nous, c'est vrai. Donc ça, on s'entend bien avec le gars du concession. Donc il a bien voulu nous passer en démo une auto-chargeuse parce qu'on n'en a pas. On essaiera ça, on verra ce que ça donne. Si ça peut être utile aussi pour la ferme, ça doit être pas mal. Allez hop, on descend. Il a du beau matériel là, bah, un Renault ici qui doit être en réparation à 95-14. Ah, c'est incroyable. Bon, le gars du concessionnaire n'est pas là, comme il m'avait dit. Hein. C'est vrai qu'il a du matos quand même sympathique ici, quoi. Un 610. Bon, nous, on est sur un 550, mais c'est vrai que pour la ferme, ça suffisait largement. Hein. Ça va, il n'y a pas besoin de plus. Tac, on attache ça. On met les flexibles, c'est nickel, on peut y aller. Hein. Alors là, il faudra que je fasse gaffe, faut pas que ça touche. Là, ça devrait passer. Avec la haie en face non plus, c'est pas hyper simple. Hein. Pas abîmer non plus le tracteur. Et puis il y a des gens qui traversent la route comme ça, non mais ça va. Gênez-vous pas surtout. C'est bon. Eh ben, c'est vrai que c'est pas super large ici. Faut pas faire des conneries. Et surtout qu'il est pas là, donc après, il va se demander qui c'est qui a fait des conneries. Non, 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 non. Mettre ça dans quel hangar, moi. Je vais la mettre à l'abri quand même. Enfin, je mets mon service ces jours-ci, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va aller faire notre fumier. Ça fait 2 semaines, je dois le faire là. Non, faut vraiment que je le fasse. Bah, je vais reculer ça où il était. Tiens, comme ça, hop. Oh, punaise. Ah, mais c'est vrai que je m'en rends pas compte, hein. Mais à chaque fois, c'est vrai que... Oh, ah, bah oui, ça secoue sacrément, hein. Essayez de pas taper. Normalement, ça déroule directrice. Bah, normalement, en marche arrière, il me semble qu'elle se bloque. Si je me trompe pas, on devrait être pas mal. Non, non, les roues arrière directrices, elles se bloquent pas, en fait, en marche arrière. Faut que je recule encore un petit peu. Normalement, on doit pas être trop, trop mal. J'arrive pas à passer de ce côté-là. Allez voir l'autre côté, comme on est. Je pense qu'on doit être pas mal, hein. Oh là là, fallait pas plus, hein. Ah oui, bon, on va dételer ça comme ça. On enlève le cardan. Et ce qu'on va faire, c'est qu'à la limite, eh ben, on va atteler les pendeurs. Bah, non, va falloir qu'on bouge la benne. Bah, on va bouger la benne. Tant qu'à faire. Je vais appeler un terrassier qui habite pas loin. Comme ça, vu qu'il a pas mal de déblais, souvent, je pourrais éventuellement lui demander de me déposer un ou deux camions. Ça pourrait être cool. Comme ça, je l'étalerai avec le chargeur. Et à force de passer, ça se compactera. Mais oui, là, ça devient quand même critique. Hein. On déplace cette benne. Bon, le cardan, on s'en fiche. Hein. Je la mets où, elle aussi. On s'en fout qu'elle soit à l'intérieur hein, ou à l'extérieur. Hein. Je vais la mettre là, contre les barrières. Ça ira très, très bien. C'est vrai que j'ai mes feux, faudrait que je les enlève, en vrai ça sert pas non plus à grand chose. Mais c'est vrai que je suis arrivé dans le coin il n'y a pas si longtemps que ça, hein, parce qu'avant j'étais du côté de la Mayenne. Le temps de se réinstaller, tout ça, bon ça va encore, je m'entends bien avec le concessionnaire, même avec les autres agris du coin, donc c'est vraiment cool quoi. Parce que quand tu t'entends pas trop avec les gens, c'est vrai que ça devient un peu relou vite. Alors on peut reculer encore, oui c'est vrai, bah oui, elle est pas aussi longue que l'auto-chargeuse. Hein. Là on devrait être pas mal. Oui, ça va être pas mal, ça fera bien l'affaire. Je vais passer l'autre côté parce que c'est pas que je suis pas mince, mais quand même. Avec tout ça, on va réussir à prendre les pendeurs ou pas? Je pense que oui. Ce serait bien au moins que j'ébande une bonne partie, même si on finit pas le fumier aujourd'hui. Au moins, ce sera fait. Allez, notre épandeur qui a servi 2 fois d'ailleurs. Lui aussi, il aurait fallu que je le range à l'abri, mais ce bâtiment n'était pas fait. Donc en fait, tout ce matériel-là était dans une partie de ce bâtiment. Et là, c'était vraiment serré. Donc j'avais fait ce bâtiment-ci qui me sert très bien d'ailleurs, outil de fauche et tout dedans. Donc c'est vraiment pas mal. Hop. On branche tout ça. Mais c'est vrai qu'il est propre comme épandeur. Ouais. On est parti direction le champ. Par contre, je vais avoir un
petit problème, moi. Vu qu'on n'est pas super loin, je reviendrai à pied à la limite. Hein. Parce que va falloir que je revienne chercher le chargeur. J'ai pas trop le choix, quoi. Bon, vu qu'on n'est pas trop loin, je reviendrai à pied. C'est vrai qu'il y a personne chez moi pour venir me chercher aujourd'hui, me ramener pour prendre le chargeur. Bon, c'est pas grave. De toute façon, faut vraiment que je fasse le champ. Donc, on va y aller. Ça le fera. C'est vrai que les rues ici, elles sont pas très très larges dans ce village-là. Mais c'est vrai que je suis plutôt content quand même du Classarion. Franchement, j'ai pas à m'en plaindre. Ah, bah ici, c'est en travaux, tiens. Oh, ces routes. Ah, mais les routes, elles sont vraiment toutes cassées, hein. Ah, il faut faire quelque chose, hein. Oui, les tas de fumée sont là. Mince, c'est par ici. Hop. Puis on va commencer par le champ de gauche, le champ de droite. On verra ça après. Mais ça va, nous embêtez pas non plus pour traverser, surtout, hein. Bah oui, du coup, à gauche ici. On va mettre le tracteur prêt à charger, comme ça, quand on arrivera avec le chargeur, ce sera top. On va répandre ça sur nos champs d'herbe. Bah, les bennes, je les ai amenées pas longtemps après que je me suis installé quand j'ai acheté mes premières bêtes. C'est le premier fumier que j'ai eu de cette ferme. En fait, hein, donc que j'ai amené, donc ça va faire oui un peu moins de 6 mois. Ça doit faire ouais 5-4 mois que c'est là. Donc, on va épandre ça sur nos prairies. Ça mettra un bon coup de boost. On éteint, on ferme la porte. Bon, ouais, je suis pas mal comme ça. Hein. On chargera ça. Bon, ouais, il y a moyen de faire au moins 3-4 épandeurs, je pense. Ici, là-bas, pareil, hein. Pas grand monde hein, par ici. On est go hein, jusqu'à la ferme. C'est vrai que ah oui, bah c'est parce qu'il y a des terrasses. Il doit y avoir pas mal de monde à passer. C'est pour ça que je me disais aussi. On rentre à la ferme et puis on prend le chargeur. Hein. On y arrive enfin 15 minutes plus tard. Je suis en train de regarder, mais il faudrait que je sorte mes vaches. Je pourrais les mettre en prairie ici, l'herbe. Bah, je vois qu'elle a bien poussé après mon coup d'engrais. Donc, ouais, je prendrai la bétaillère et je les sortirai là dans la fin de semaine. Si j'ai le temps, ça peut être pas mal. Ouais, c'est vrai qu'ils sont creux. Hein, il y a des sacrés trous ici. Punaise, les ornières. Ouais, cet hiver, ça a travaillé de fou. Hein. Ouais, je verrai déjà, je pense. Ouais, faudrait que je trouve une lame pour passer déjà un bon coup de niveau. Je pense que ça serait pas mal. Oui, les vaches qui gueulent. Elles n'arrêtent pas. Allez, on monte dedans. Go. On lève notre masque quand même. On est beau, hein. Bah, on va aller pareil. Au champ, c'est vrai qu'on est. J'ai que du classe. C'est vrai que dans mon autre région, quand j'ai déménagé, j'ai vendu ma ferme là-bas pour acheter du coup cette ferme. Bon. Dans cette ferme, il y avait des anciens tracteurs. Hein. Il y avait un Fiat, puis il y avait un vieux Dodge aussi, mais c'était des tout petits tracteurs. J'ai voulu m'agrandir, donc j'ai acheté chez le concessionnaire d'à côté, hein, donc concessionnaire classe. Donc. Il m'a proposé ça. J'avais pas non plus besoin de 300 chevaux, mais franchement, ça fonctionne bien. Hein. Il m'a proposé deux Arion, là, du coup, un 430 et un 550. Et franchement, ça fait hyper bien le taf pour les outils, tout ça. Franchement, ça tire tout. Ouais, je suis plutôt content. Ils sont pas si vieux que ça, hein. Ils ont pas tant d'air que ça. Bah, on a des bonnes suspensions dans les tracteurs. On a des bons sièges, mais il faudrait qu'ils refassent quand même la route. Hein. Mais dans mon ancienne ferme, ouais, c'est vrai que j'avais du John Deere. Hein. J'avais un 6R, tout ça. Après, c'était un peu plus grand. Hein. C'est vrai, donc. Aussi, il faut que je prenne le temps de me ragrandir, tout ça. Il faut bien. Et ben, on va se recharger ça. On va se charger cet épandeur-là. Tac. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal le panoramique, mais le truc au milieu, il est un peu chiant. Mais bon, ça va le faire. Oh, il y en aura peut-être de trop, mais au pire, il y en aura. On va en laisser, hein, de toute façon, parce que j'ai des champs d'herbe pas loin. Au pire, je reviendrai chercher là quand j'aurai du fumier à faire dans les autres champs d'à côté. Ça, c'est pas un souci. D'ailleurs, il va falloir que j'attaque les semis de maïs aussi, bien dans pas longtemps. Il va falloir que je sorte mon cultif pour passer un petit coup, préparer mes terres. Ça serait pas mal. Faudrait pas trop que je tarde, mais bon. En ce moment, il pleut là. J'ai eu un petit éclairci là. Bon, c'est un peu nuageux, mais il y a eu un petit éclairci. Je me suis dit, bon, allez, je vais aller pendre du fumier. Il pleut pas trop. C'est vrai que les terres ici sont à côté de la rivière là. Il y a une rivière qui passe. Quand il pleut ici, c'est inondé. Quand tu es en tracteur, tu peux t'enliser. Et puis, ah, c'est la galère après. Hein, qu'on évite. Là, l'épandeur, bah, je vais pas trop le charger. Non plus, ça ira très très bien comme ça. On va juste baisser la masse, ça tire pas trop sur les verres hein, quand même. Ça va, on a déjà pris une bonne partie de la première benne sur les deux que j'ai emmenés. Hein, donc oui, c'est bien ça, ça fera 2-3 épandeurs, ouais, impeccable. C'est vrai qu'on met quand même pas mal de capacité dans cet épandeur, c'est ça qui est pratique. Hein. Je vais commencer du bout là-bas, puis je vais pas trop venir vers là, je finirai après là. Déjà, on va faire un petit tour, ce sera déjà pas mal. Je vais reculer un peu là-bas, histoire de faire toute la ligne au moins de départ. C'est vrai que l'épandeur prend quand même pas mal de capacité, mais sur le catalogue, quand j'avais vu, c'était l'un des plus petits de chez Sodimac. Hein. Donc il y en a, ils sont très très grands, mais bon, pour moi, ça suffit très très bien, surtout pour ce qui sert. Alors, je me rappelle, normalement, c'est ça pour ouvrir derrière. Ouais. Ok, nickel, on ouvre la porte. Allez, normalement, hop, go. C'est parti. Ça envoie quand même du steak. Hein. On va pas trop non plus épandre sur le bord parce que c'est vrai qu'il y a la rivière à côté. Ça serait pas ouf qu'il y ait du fumier dans la rivière. Hein. À moins que vous kiffez les gens le fumier. Je sais pas si le village kiffe ça. Je ne pense pas. Il y avait des jeunes surtout qui se baignaient l'autre fois que je suis venu dans ce champ-là. Hein, quand j'avais fait ma coupe d'herbe, je me rappelle, il y avait des jeunes qui se baignaient. Donc, non, ça m'étonnerait que ce serait bien. Ah non, ça envoie plutôt, hein. C'est vrai que je peux rouler assez vite avec celui-là. C'est vrai que mon ancien, je pouvais pas trop rouler vite, surtout qu'il commence à être un peu vieux, donc bon. J'avais bien fait de le changer, au moins là, plus de début de travail aussi, donc c'est très bien, parce que l'autre, hein,
Je mettais allez, même pas 5 godets, il était plein. Allez, ça va, ça va. Surtout que bah, c'est, en fait, c'était des planches sur le côté, elles étaient toutes cassées. Hein. C'était vraiment à l'ancienne, quoi, tu vois. Donc, ça va, j'aurais quand même réussi à faire un détourage. Je vais peut-être m'arrêter ici. On va aller voir ce que ça donne déjà dehors. Ouais, ça va, ça en épand quand même pas mal. Hein. Je pense que la densité est pas mal, je l'avais bien réglé l'autre fois. Donc, on voit bien la différence hein, entre là où j'ai épandu ou pas. Ouais, ça fait quand même une très très belle largeur. Là, on a du débit de travail, c'est pas mal. Je pense, en vrai, je finis lui. Et je vais peut-être devoir en remplir un autre. Mais encore, on va regarder. Ça part pas si vite que ça en soi. Donc, on va se redéporter un petit peu. Mais ouais, ça va presque suffire. Hein. C'est pas mal cette affaire. Hein. J'en avais peut-être amené trop. Bon, je me suis dit, de toute façon, en fait, j'allais amener deux bennes comme ça au moins. Pour le prochain apport, au pire, même. Fin d'année, j'en remettrai. De toute façon, l'herbe, j'adéchemerai pour mettre du blé sûrement en septembre. Donc, je remettrai peut-être un petit coup. Après, il n'y aura pas forcément besoin, mais ça servira toujours. Dans tous les cas, pour les champs d'à côté, hein, comme je disais. Ouais, il me resterait une petite ligne à faire. Ouais, il me semble que c'est ça. Dernière ligne. Puis, à la limite, je vais le re-remplir et puis je vais le faire le champ d'en face avant d'aller manger. Ah, bah, je suis vide, donc on va aller remplir. Juste refermer la porte au cas où que ça se prenne dans une branche. J'ai un rendez-vous cet après-midi, donc je rentrerai, je ramènerai les deux tracteurs, tout ça. Et ouais, c'est rendez-vous médical, c'est urgent, il faut bien. Et ben, on se remplit le tracteur, enfin, on se remplit l'épandeur, et puis on finit tout ça. Punaise. Oh, il y a de l'orage, il pleut de partout. Je vais essayer de remplir l'épandeur à fumier vite fait, puis je vais aller le ramener à la ferme. J'en ai pour 2 minutes à finir le remplir, on n'a pas long de route. Et le mettre sous un hangar, et puis bah j'irai finir ça demain, parce que là, toute la journée, je pense qu'il annonce de la flotte, de ce que j'ai vu hein, sur la météo. On finira ça demain, surtout que de toute façon que j'ai un rendez-vous cet après-midi, donc c'est pas trop trop grave. On va se dépêcher. Ah, c'est vrai que là, c'est un peu le déluge. Pas le choix, il avait pas prévu ça ce matin, pourtant, et c'est comme ça. Bon, après, il est 11h15, ça va encore. Bon, encore un ou deux godets, là, je vois que ça commence à dépasser, donc c'est que c'est bientôt plein. J'ai ramené le Arion 550 avec les pendeurs avant, histoire que ça prenne un peu moins l'eau. Ah, c'est pas non plus, voilà. Là, ça devrait être pas mal. Bon, ça va être assez plein. Juste reprendre le godet là pour le remettre sur le tas. Histoire que ça soit pas non plus le bordel. C'est tout propre. On va remettre ça là. Comme ça, au moins, ça sera propre. Puis, je vais ramener le tracteur. Par contre, il pleut. Bah, en vrai, de toute façon, je vais venir quand même. De toute façon, il faut que je ramène les deux tracteurs. Il n'y a pas le choix. Ça, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. En espérant qu'au pire, l'averse passe. Ouais, ça tonne bien. Punaise. Bon, en espérant que l'averse passe, parce qu'il va falloir que je revienne chercher le chargeur après, donc ça m'éviterait de venir sous la flotte, ça serait cool. Bon allez, on ramène le tracteur à la ferme. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reculer ça à la place ici, hein. Au moins qu'on puisse mettre aussi un peu le tracteur à l'abri. Bon après, c'est plus l'épandeur. Regardez ça où il y avait le chargeur, et puis le chargeur, bah de toute façon, oui, on peut pas dans l'autre, j'avais mis l'autochargeuse d'ailleurs. Qui me servira bientôt pour nourrir mes moutons qui seront à notre site. Ça peut être pas mal l'autochargeuse, donc je verrai ça. Ouais, là je devrais être pas mal, il me semble. Je peux reculer encore un petit peu. Ouais, je vais pouvoir le mettre à l'abri hein, le tracteur. C'est pas mal. Ah, ça tonne pas mal. Ça commence à vraiment s'agiter de plus en plus. On va baisser la masse. Allez hop, nickel. Allez, bon, on va repartir chercher le tracteur. Ouh là, c'est vraiment sombre. Hein. Ça va péter, c'est pas possible. Go, on va chercher le tracteur. Je prends mon courage. Mon courage. Je pense que je vais courir même. Eh ben j'aurais pu faire encore un ou deux épandeurs en plus. Ah, si il fait beau, je suis parti de là-bas, il faisait beau. Bah tiens, trop tard, c'est pas grave. Bon, le champ va être un peu mouillé là. Ça fait bien un bon 40 minutes qu'il arrête pas de pleuvoir là. Donc bon, c'est pas grave. De toute façon, quelle heure? Ah bah il va être 12h30, donc bah, tout le monde qui va m'attendre pour manger. Donc ça tombe bien au final. Ça va, parce que 3 mois après, je serai encore en retard comme d'hab, de toute façon. Ah, c'est pas possible. Bon, allez, je ramène ce tracteur-là à la ferme, puis bah, je vais prendre direct mon quad, histoire de rentrer vite fait. Parce que déjà que je vais être en retard, parce que je pense qu'ils m'attendent pour manger. Donc, je vais speeder, je vais pas trop tarder. Bon, celui-ci, je vais le mettre dans quel hangar? Je vais le mettre à côté de la bétaillère et des bennes. Ah, les poules, là, c'est pas possible, ils sont partout, là. Normalement, là, ça doit passer. Ah, j'aurais pu mieux coller la benne, mais bon. C'est très bien comme ça. On baisse la masse. Allez, hop. On va juste prendre notre quad qui est ici, normalement, je l'ai mis où? De l'autre côté alors? Ouais, je l'ai mis là. Eh ben, let's go. Mais c'est vrai que cette petite auto-chargeuse là, je pense qu'elle va bien me servir pour l'herbe des moutons. Comme ça, bah à la limite, parce qu'un coup de faucheuse, puis j'auto-chargerai. Mais j'hésite à investir dans une faucheuse avant aussi pour l'auto-chargeuse, mais après j'ai pas forcément aussi la puissance. La faucheuse avant, mais bon, je verrai bien. Oh punaise, c'est bête d'eau là ça. Ah bah c'est par ici, c'est plus propre. Je suis là à la maison parce que je pense qu'on doit m'attendre pour manger. Une bonne matinée de fête. Tiens.